Main dans main, n'a continué faire combattre pour combattre malaria. C'est à thème ça, autorité sanitaire, yo, commémoré journée nationale malaria. D'après coordonnateur coordination nationale malaria, Roland Oscar, yo pral continuer travail pour renforcer capacité yo à prise en charge moun qui souffre malaria dans pays. Les objectifs visent à, premièrement, mettre en œuvre des structures de gestion opérationnelle et effective de contrôle de la malaria au niveau central et périphérique, renforcer la surveillance épidémiologique, la capacité de prise en charge des patients et des mesures de prévention à travers la participation communautaire à tous les niveaux de soins. Ministre de la Santé publique et population, Dr. Florent Duperval-Guillaume, renouvelé engagement au gouvernement une autre fois pour travailler dans l'objectif pour arriver à éliminer la malaria en Haïti d'ici l'année 2020. Je peux vous assurer que la volonté politique est là. L'objectif est d'arriver à éradiquer la malaria d'ici 2020. Mais pour l'éradiquer, ce ne sont pas des journées de commémoration de la malaria qu'il nous faut. Ce sont des actions. Il s'agit de reprendre la première démarche d'éducation au niveau des écoles. Le petit livre d'hygiène qui a disparu et qui parlait de la malaria. Donc il s'agit de remettre ce petit livre d'hygiène pour que les enfants aussi puissent éduquer leurs parents qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des bonnes techniques de ce petit livre d'hygiène. Pas jeter fatra n'importe côté. Nettoyer canal yo, c'est un pi gros moyen pour empêcher moun prendre malaria.